Bonne nuit, Miss Titi. Il est 8 heures et Jules se réveille de bonne humeur. Aujourd'hui est un jour important. Jules et son grand frère Simon, maman et papa quittent leur vieil appartement. Toute la famille emménage dans une maison à 2 étages, avec un grand jardin et de nouveaux voisins. Surtout, il y aura une chambre pour chaque garçon. Mais pour Jules, c'est un problème. Il n'a jamais dormi tout seul. Alors, il a peur d'avoir peur. Depuis plusieurs semaines, son frère fait des plans. Ma chambre aura 2 murs bleus et 2 murs gris. Ça ira super bien avec mon nouveau lit. Il est vraiment ravi d'avoir sa chambre à lui. Et puis comme ça, je ne t'entendrai plus ronfler, dit-il à Jules. Et moi, je ne t'entendrai plus parler, réplique le petit frère. Devant Simon, Jules joue les courageux. Mais dans son cœur, la joie de son grand frère le rend malheureux. Le petit déjeuner est vite expédié. Déjà, on entend sonner. Les déménageurs sont là. Il faut emballer les dernières affaires, sans oublier le chat. Allez les marmottes, en voiture, lance maman. Maman et papa emmènent les garçons dans la nouvelle maison pour réceptionner tous les paquets. Jules jette un dernier regard à leur chambre. Plus jamais il n'entendra ses parents refermer la porte en murmurant « Bonne nuit les Miss Titi ». Désormais, Jules sera un petit Miss Titi tout seul dans sa chambre de grand.